Bonjour, bonjour. Salut les champions. A tout de suite. Bonne journée les gars. Allez, j'ai l'alarme quand même. Ouais, ouais, allez. Ciao. Ciao les gars, merci à vous. Ouais, ciao. Bye. Ciao, ciao. Bonne journée. C'est pour ça que c'est vrai. Tu vois la solidarité, rien de compte. Heureusement que t'as des gens qui jouent le jeu à fond et après les autres qui font tout chier. Ça me gave. On va mettre une petite souris par là. Non, c'est pas bien, hein. Voilà, attaché comme ça. Hein. C'est gênant, hein. Ouais. Pas mal, hein. Je pense que je vais mettre les pieds de... d'avoir fait les nécessaires pour bloquer les rues,
voilà, pour d'être là ce matin, pour nous sortir les tables, les chaises, me donner le son micro que j'ai pensé dimanche soir. J'ai envoyé un message en urgence à Nathalie pour dire au secours, hein, j'ai pas pensé qu'il fallait peut-être que je parle un petit peu, qu'on ait un peu de musique. Voilà, la mairie d'Hydrome, les bénévoles du foyer rural, donc ils sont venus aussi à la demande de la présidente Nadine Dillen, donc qui est très gentille pour venir, qui sont là pour vous servir à boire. Mes deux collègues aussi de l'UDVS qui sont là pour vous vendre des jolis produits, soit il y a des livres pour enfants, un livre écrit pour l'association, des verres dans la couleur de la course, des gâteaux. Toutes les personnes des associations qui ont permis cette arrivée d'étape, parce que organiser une course à travers la France, bon, c'est une chose, mais pour que ça se mette en place, il faut absolument qu'il y ait des relais sur chaque ville étape. Donc d'abord des contacts, trouver des personnes qui acceptent de prendre en charge, des mairies aussi, des associations locales, et tout ça se met en place, et c'est ce qui fait que la course peut avoir lieu. Donc je remercie encore une fois la mairie, Rebecca qui a été notre contact sur place, toutes les associations locales, les étudiants que j'ai vus, Bernard donc, avec et Eric, c'est-à-dire qui ont emmené des joëlettes, c'est-à-dire c'est l'ASCB, l'association de joëlettes parisienne, HCE, et Handisport qui est là aussi représentée, qui ont permis d'emmener les personnes mobilité réduite. J'ai le canard, à vélo, tu l'attends.